Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc j'ai déjà effectué le tirage. Donc on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, ensuite on a un message de l'oracle, des messages de l'amour, et puis j'ai utilisé le tarot des sorcières ici pour développer un petit peu. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis voilà, si les personnes désirent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, donc on va commencer à regarder quel est le message pour vous. Hop! Alors, on parle ici de différence d'âge avec une personne au niveau relationnel et sentimental. Ici, on vous parle de différence. Alors, différence d'âge, oui, mais pas que, hein. Il y a peut-être aussi des différences tout court, peut-être une différence d'opinion, une différence de plein de choses ici qui fait que bah, peut-être soit ça coince, soit il y a quelque chose qui interpelle. Avec l'oracle message de l'amour, vous avez la rencontre imprévue. Ah, le hasard, la liberté et le choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Alors des hommes ou des femmes, hein. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Ok. Donc là, on vous dit ici que pour ce mois d'octobre, il va certainement y avoir des rencontres imprévues, des choses, voilà, du mouvement. En tout cas, il se passe des choses pour vous. Alors, peut-être qu'effectivement, cette notion de différence qu'on voit ici, c'est peut-être la rencontre d'une personne qui a quelque chose de différent de vous. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, oh non, mais c'est bizarre que je sois attirée par ce type de personne parce que c'est pas du tout mon style ou c'est pas du tout. Voilà, c'est une personne tellement différente des personnes que j'ai connues que voilà, vous voyez cette notion de différence. Ok, on va voir. Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois? Ici, alors pour vous les Gémeaux, vous rentrez dans ce mois avec. Je vais y arriver. Alors, la dame d'épée, le roi de pentacle et la neuf de bâton. La dame d'épée, ici, elle vous apporte une vision plutôt claire, quelque chose qui. Une forme de réflexion claire, une intelligence, et puis aussi la capacité de savoir ce que vous voulez. Hein. Et puis, le roi de pentacle, c'est quand même le fait d'être quand même dans quelque chose de plus de confortable. Vous vous sentez plutôt sécurisé, vous vous sentez plutôt bien, plutôt à l'aise. Mais cette situation-là, alors, soit vous êtes déjà en couple et ça fait peut-être un certain temps, hein, et vous vous sentez plutôt en sécurité, parce que le roi de pentacle, cette notion de sécuriser, d'avoir construit quelque chose de solide et d'être vraiment sur une notion de sécurité, la dame d'épée, elle vous apporte effectivement le fait de vous projeter dans l'avenir, d'être vraiment, de savoir ce que vous désirez. Et en même temps, cette neuf de bâton, bah, quelque part, ça vous parle de fatigue et d'efforts à fournir. Peut-être que pour rester sur ce niveau, je dirais, de sécurité émotionnelle ou une sécurité peut-être matérielle, ça vous demande beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie à donner. Et peut-être que parfois vous avez envie de laisser tomber, vous avez envie de vous dire ouais mais voilà. Alors soit vous êtes en couple et ça fait longtemps que vous êtes en couple et du coup vous travaillez sur cette relation et vous essayez effectivement de tenir bon et de vous dire que bah, finalement voilà vous allez continuer à nourrir ce sentiment de sécurité, le fait d'être dans une relation stable, une relation qui, ça fait longtemps que ça dure, mais quelque part, ça vous demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Vous voyez cette notion? Ou alors, soit vous êtes célibataire et vous vous dites, ok, je sais ce que je veux. La dame d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux quelqu'un de fiable, de solide et de sécurisant. Le roi de pentacle. Voilà. Hein, c'est vraiment cette notion de quelqu'un, en tout cas, qui sait qui il est, qui sait pourquoi il est là et qui sait ce qu'il veut aussi, mais surtout quelqu'un qui est rassurant et qui est fiable, sur qui on peut compter et qui est indépendant. Enfin bref, qui peut amener quand même pas mal de choses. Voilà, sauf que ben, vous cherchez, hein. La neuf de bâton, c'est vraiment une énergie où on s'épuise. On s'épuise à obtenir ce que l'on veut, on s'épuise à courir après quelqu'un, peut-être, pour certains, vous
courez après quelqu'un qui représente ce roi de Pentacle, par exemple, mais voilà, vous commencez à vous épuiser. Ok. Alors. Ici, on a les conseils. Vous avez la dame de coupe, la 4 de Pentacle et la 3 de bâton. Alors, la dame de coupe, elle vous parle de votre sensibilité émotionnelle. Pour certains, on vous dit ici qu'il va être question de s'ouvrir un peu plus, hein. De montrer un petit peu votre sensibilité, de montrer un petit peu vos émotions, hein, de pouvoir en tout cas les communiquer, ne pas garder les choses pour soi, ne pas avoir honte non plus, hein, de vos ressentis ou de vos émotions. Voilà, d'exprimer les choses. Parce qu'on voit avec cette énergie de la 4 de denier ici, c'est une énergie de retenue. C'est comme si vous retenez vos émotions, vous retenez aussi peut-être l'envie d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. Hein. C'est possible, hein. Peut-être que vous êtes vraiment dans la retenue, que vous avez vraiment envie d'exprimer des choses, mais que vous ne le faites pas. Et là, on vous invite en tout cas pour ce mois d'octobre de y aller. La 3 de bâton, c'est cette énergie, ok. Je décide de franchir ce pas-là, je décide peut-être de déclarer ma flamme à quelqu'un ou je décide en tout cas d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez? Il va falloir vraiment... Parce que la reine de coupe, elle est au clair avec ses émotions, mais parfois elle est un petit peu trop sensible. Mais il va falloir les exprimer, ces émotions, surtout ne pas les réprimer. Alors, quel est votre défi à relever ici? Alors, le défi à relever, c'est l'énergie du roi d'épée, la 5 de pentacle et la 8 de coupe. Bon, d'accord. Alors, bah là, clairement, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez être tenté de prendre une décision radicale. Vous voyez? Le roi d'épée, c'est l'autorité. La 5 de pentacle, c'est le sentiment ici de manquer de quelque chose. C'est le sentiment d'être rejeté, l'impression d'être mis de côté, d'être rejeté ou de ne pas avoir ce que vous souhaitez. Voyez? Et du coup, l'énergie de la 8 de coupe, bah, vous décidez clairement de tourner le dos à cette relation-là, cette situation-là et de ne pas chercher plus loin. Alors, soit effectivement, vous avez une rencontre imprévue qui arrive dans votre vie, hein, dans votre mois, on va dire, dans votre mois d'octobre, et vous vous dites, ah non, 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 mais en fait, cette personne-là, elle est trop différente de moi, et là, bim, je coupe court et je laisse tomber parce que ça ne me correspond pas. J'ai le sentiment ici que cette personne, elle ne va pas m'amener ce que je veux. Et vous, ce que vous voulez, c'est la sécurité. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de fiable. Sauf que vous vous rendez compte que ça fait peut-être longtemps que vous cherchez, vous bataillez, hein, à obtenir ce que vous souhaitez. Et du coup, bah là, il y a quelqu'un qui vient à vous et on vous dit ici, mais laissez les choses se faire. Laissez vraiment vous ouvrir à l'autre. Laissez exprimer ou en tout cas laissez accueillir ce que vous ressentez en fait. Voilà, laissez-vous vivre tout simplement. On va voir comment les choses vont évoluer, c'est intéressant. Oh, l'étoile, l'empereur et le pendu. Ah, c'est chouette. Alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, à l'issue de ce mois, ou en tout cas l'évolution, c'est vraiment cette notion de se laisser un peu guider par votre bonne étoile, par la vie, quelque part. De se dire, ok, bon... je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, c'est une personne tellement différente de voilà, qui est différente de mes attentes, mais c'est pas grave, je vais me laisser guider et puis on verra bien. Vous voyez, une forme de lâcher prise un petit peu comme ça. Hein. Alors attention à la notion de contrôle, puisque l'empereur, c'est quand même le fait de vouloir contrôler les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment ici bah, quelque part de gérer un petit peu la situation, de dominer un peu la situation et de vous dire que bah, à tout moment, vous allez pouvoir couper court, vous allez pouvoir voilà, laisser la personne derrière vous. Mais avec la carte du pendu, moi j'ai le sentiment que... Ben, vous allez vous laisser prendre au jeu. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a des moments où vous allez vous dire, ouais, mais non, cette personne, elle est trop différente, enfin, moi, ça m'intéresse pas, nanana, nanana. Mais j'ai le sentiment que vous allez quand même vous sentir un petit peu, ben, quelque part, un petit peu emmené hein, dans cette rencontre-là. C'est quelque chose qui va vous... ouais, j'ai le sentiment que vous allez vous laisser aller, hein. En cette fin de mois, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous laisser guider. Vous allez avoir l'impression que vous allez avoir le contrôle sur la situation. De toute façon, on a toujours le contrôle. Mais par moments, vous allez vous sentir un petit peu... Alors, c'est pas piégé. C'est pas ce mot-là. C'est plutôt limité. C'est vous sentir un petit peu attaché. Vous voyez?
On voit bien, hein, le pendu, il est attaché, il ne peut pas bouger comme il veut, mais en tout cas, ça lui permet de réfléchir et d'avoir une autre vision finalement. Alors, soit une autre vision de la personne que vous avez en face de vous, ou soit une autre vision d'une projection que vous avez, d'une idée ou de la notion de couple que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, par exemple, c'est vraiment ça, hein. C'est un changement de vision, c'est-à-dire que vous allez vous sentir dans une situation un petit peu bloquante ici pour vous permettre de changer de regard sur cette rencontre-là. Ou en tout cas sur la situation que vous êtes en train de vivre. C'est un élément déclencheur. Pour moi, je pense qu'effectivement, ces rencontres que vous allez avoir durant cette période-là va vous permettre d'y voir un peu plus clair, de savoir où vous en êtes au niveau émotionnel et relationnel, que vous soyez en couple ou non. Si vous êtes en couple déjà depuis un moment et que vous bataillez vraiment à chercher la sécurité, que machin, vous allez être tenté de couper court et de dire bye bye. Parce qu'il y a peut-être une rencontre ici qui va vous mettre en lumière quelque chose. Et si vous êtes vraiment célibataire, bah c'est le contraire. C'est que vous courez après un idéal ou un. Oui, un idéal, quelque chose que vous souhaitez avoir, hein, une notion de couple ou de personne, de partenaire potentiel, qui justement va vous proposer quelqu'un de complètement différent et qui va vous déstabiliser et mettre en lumière certaines choses. Mais en tout cas, on vous dit ici que c'est la destinée aussi, l'étoile, hein, il n'y a pas de hasard. Vous voyez? Bon, en tout cas, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, toujours. C'est vous qui décidez. Mais attention à ne pas être tenté d'aller trop vite, d'être un petit peu trop sévère, un petit peu trop radical dans vos choix. Laissez une porte ouverte, laissez peut-être une chance, on ne sait jamais. Voyez? C'est ça, hein. Laissez une chance, parce qu'il y a vraiment, avec l'étoile, c'est quelque chose qui peut vraiment être sympa. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, moi, j'ai le sentiment ici que, effectivement, peut-être qu'au niveau professionnel ou en tout cas dans votre vie de tous les jours, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont peut-être vous permettre de rencontrer, hein, cette personne-là et qui va effectivement vous déstabiliser un petit peu ou en tout cas vous permettre de ouais, d'y voir un peu plus clair au niveau émotionnel, hein. Je pense que le professionnel et l'émotionnel sont liés ici, hein. C'est ce qu'il me semble. Je pense que cette nouvelle opportunité professionnelle, ces rencontres que vous allez pouvoir faire ont un lien avec cette opportunité-là, ce nouveau départ ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente, enfin, un excellent mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.